Salut le monde, c'est Pierre Poliquin des accessoires Spider.com et bienvenue dans la Spider Shop. Aujourd'hui, ça va être un vlog très très rapide. Je suis trop excité pour pas vous le montrer. On va aller voir Steve. Hey Steve! On va leur aujourd'hui de qu'est-ce qu'on vient recevoir là. Fait que, on vous annonce qu'on est maintenant un dealer pour les top cases puis les valises de GV. Alors, on vient de recevoir une première commande pour faire des essais puis on est vraiment content. Surprenant Steve? Ouais, très beau. Fait que, on a deux grandeurs de top case, un de 34 litres, puis on a un autre de 47 litres. Puis on est en train de regarder les options pour, à même le top case, de vous mettre soit un dossier, puis on a même reçu des lumières. C'est visé. Encore des lumières! Encore des lumières. Fait que, apportons le dossier, Steve, on va aller voir que ça a l'air là-bas. Donc on va vous montrer, on a commencé à mettre ça sur le Spider à Lydia. Elle dit, hey, je suis pas sûr que je veux un top case, mais je pense qu'elle va être bien contente une fois que c'est installé. Fait que là, on l'a juste déposé dessus. Peut-être juste mettre le dosserelle à la place qui va tomber. Fait que vous voyez ici, là, pour tous ceux qui cherchent un dossier passager, parce que Dieu sait qu'on a reçu des appels, t'as-tu des dossiers passagers, puis on n'avait pas. Fait que là, en achetant notre tablette, on peut mettre un top case, comme ça. Fait qu'il dépose ça dessus, puis ça vient avec deux options, le top case. Vous avez l'option de mettre un dosseret pareil comme ça. Puis ici, on peut changer les réflecteurs, parce que là, on a des top cases avec des réflecteurs clairs et d'autres qui ont des réflecteurs rouges, puis on peut même mettre des lumières dedans. Essayez de vous donner un aperçu, un petit peu de profil comme ça. Fait que, comme ça, ouais, là, il est pas fixe, là, mais c'est juste pour vous donner une idée de qu'est-ce que ça peut donner comme là. Honnêtement, là, ça jure pas aux yeux, c'est quand même très, très beau. Fait que, on va continuer à faire des tests un petit peu. On va mettre ça à vendre sur Internet très, très rapidement parce qu'on sait que le début de saison est déjà à nos portes. Vous cherchez des solutions pour votre rangement puis avoir un passager. Puis, on va prendre aussi des photos de l'autre format qui est un petit peu plus petit. On dit que dans celui-là, on est capable de rentrer deux casques. On va faire le test puis on va vous le montrer. Fait que je vais revenir vraiment avec une vidéo qui va vous donner plus un aperçu de qu'est-ce qu'on peut faire au niveau du rangement puis tout ça. J'ai l'autre ici en arrière de moi. Fait que ça ici, c'est le 34 litres. Celui-là, il est bon pour un casque. Fait que, encore là, ça dépend si vous avez des passagers avec vous, si vous êtes toujours seul, si vous êtes une famille à deux Spider, puis vous n'avez pas besoin de dosseret. Fait que, les prix, ben notre tablette, elle, est en vente à l'entour de 300$ plus taxes. Ça, c'est notre tablette arrière F3. Puis les top case, ça va varier entre 225$ à 350, puis après ça, l'option des lumières et du dosseret en plus que ça. Mais honnêtement, si je me souviens des prix d'un dossier BRP, vous allez probablement pour tout près, peut-être pas là, mais proche, je pense, là, vous allez arriver quasiment au même prix qu'un dossier BRP, mais vous allez avoir la tablette de top case plus un dosseret sur ce top case-là. Fait que, ouais, on était bien excités, on voulait vous montrer ça. Fait que, c'est ça, la saison a commencé tout le monde, venez nous voir, Spider Shop, bye!